Et bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir Angèle, bonsoir Sandy. Comment allez-vous ce soir? Je suis encore à la salle, donc je regarde pour le moment, ça marche. Tu es la deuxième personne sportive du chat, en fait. Quand Martin est là, des fois, il me regarde aussi à la salle. Et puis après, il me dit « Je vais rentrer, alors qu'il fait nuit noire et qu'il pleut !» Voilà. Et après, on a une Sarah en PLS parce qu'elle a des pinous dans la nature qui sont potentiellement en danger. Voilà. Comment ça va? Sinon, ça va, juste journée de merde, donc besoin de décharger. Bah, moi, en fait, je suis contente de vous retrouver, mais je suis un peu honteuse. Je suis un petit peu honteuse, voilà. J'étais censée faire du rangement aujourd'hui. En fait, ça fait 2 jours que je travaille pas. Hier, j'ai dit, en fait, étant donné que la nuit de dimanche à lundi, j'ai pas dormi, parce que j'ai joué avec Bulle toute la nuit. Qu'est-ce qu'il y a? Bon, c'est fini. C'est fini qui est sur mon étui à violon. Ça va, loulou? Tu veux dire bonjour, peut-être? Attends, maman, elle met la caméra. Maman, elle met la caméra? Attends. Je t'attrape ou je mets la caméra avant? Donc je disais, la nuit de dimanche à lundi, j'ai joué avec Bulle toute la nuit. On a arrêté de jouer, il était 6h du mat. Donc largement le temps pour moi de me préparer pour aller travailler. Donc mardi, j'ai dit, oh tant pis, je vais dormir un peu. Parce que bon, voilà. J'avais besoin de repos. Et cette nuit, donc j'ai eu besoin de repos aussi aujourd'hui. Mais faut vraiment que je range là, hein, parce que ça devient vraiment n'importe quoi. Et cette nuit, on a ce petit démon là. Vous voyez là? Là, regardez. Regardez bien, c'est le visage du diable. Regardez. Montre-toi à la caméra. N'aie pas honte. Montre-toi à la caméra. Tu peux soupirer, il n'y a aucun souci, mais montre-toi à la caméra. Vous voyez le petit démon là, hein? Le diable en personne. C'est Lucifer que j'aurais dû t'appeler. Monsieur a joué. Il fera court ce soir. Tu veux remplacer McGonagall? Non! Mon bébé! Oh là là! Donc, ce petit diable-là. Voilà. Ce démon. Ce démon qui a une gueule d'ange, mais qui est un véritable démon. À jouer avec les... Oh. Ah. Oh, ah. Bah non, en fait. Le bras du micro qui se sent mal. Ok, d'accord. Très bien. Donc je disais, ce démon-là, en fait, à 3h du mat, je l'entends faire un bruit, mais trop chelou. Et il finit par venir... Après, j'ai regardé l'état du plaid au-dessus de mon lit. Mon Dieu, mais quelle horreur. Et il a fini par venir se coucher, mais vraiment très près de moi, en fait. Genre, maman, ça va pas? Et j'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et puis, très bizarre. Et là, je tends la main et je le caresse. Je le caresse. Oh là là, je sais plus parler français. C'est un petit gars. Oui, j'ai que des petits gars, moi. Cookie, c'est un mâle. Gizmo, c'est un mâle. J'ai que des petits gars avec moi. Et en fait, je dis, mais c'est bizarre, tu colles. Il a joué avec un des... Vous savez, les bandes collantes pour les mouches. Il a joué avec, il en a décroché une. Il en avait une collée tout le long comme ça. Il avait pris la patte dedans et tout. Enfin, il était vraiment tout englué de partout. Donc il était 3h30 quand je me suis mis à tondre mon chat, hein. J'étais cotarde, j'y suis restée jusqu'à 4h15 à peu près. Voilà, donc c'est très rigolo, hein, ces filles, c'est un chat à poil angora, du coup, enfin à semi-angora.
Donc en fait, quand on le regarde, d'un côté, il a son beau poil avec au niveau de son ventre, ça fait des petites franges qui dépassent et tout. Enfin, il a des poils qui dépassent, ça fait vraiment le chat Angora. Et de l'autre côté, bah, il a son poil à rat au niveau du ventre, comme si c'était un chat à poil rat. Et il a un gros trou de poils, du tout de poils au niveau de sa cuisse, enfin de sa cuisse gauche du coup. Parce que j'ai été obligée de lui couper les poils, parce que bah en fait la glu pour les mouches, ça part pas à l'eau. Voilà. Donc très contente. Putain le. Je viens de comprendre. Attendez deux secondes. Je fais un peu de travaux pratiques. Pardon, excuse-moi. Il y a tout qui se casse la gueule sur toi, mon pauvre loulou. Mais en fait, ça... c'est un truc de dingue, ça. Excusez-moi, deux petites secondes. Mais non, il fera pas court ce soir, il aime pas être sous la caméra. Enfin, il aime pas être dans les bras en tout cas. C'est bon là? Bon, bah à mon avis, ça tiendra. On fera attention, hein. En même temps, c'est de la qualité chinoise. Ah, qu'est-ce que je suis médisante, j'adore. Bref. Ce soir, qu'est-ce qu'on fait? On ouvre une école de magie. Ça va être cool. Ouais, c'est bancal, hein, cette merde, hein. Bon, c'est bon, on va pouvoir lancer. On va jouer à un petit jeu calme. Piano. J'étais en train de chercher un truc sur internet avant de lancer. Je suis en train de tilter. D'accord. Parce que en fait, j'ai beaucoup de succès sur ce jeu. Il m'en manque 3. Dont le mode difficile et 5 ustensiles de cuisine différents. Et il y a aussi démarrer le jeu le jour de la fête de Beltane. Et j'étais là, je fais, c'est quoi cette merde? C'est le 1er mai. Voilà. Ouais, c'est pas très stable cette merde hein, quand même. Il n'y a pas de trou. Oups. Ah. Le souci, c'est que le micro, il est à ma gauche et que ma main gauche, c'est ma main qui est la moins forte du lot. Donc pour visser, compliqué. Bon, ça a l'air de tenir un peu plus. Bon, alors. Je sais pas si vous avez vu. Ah, c'est ça que j'ai pas changé. Attendez. J'espère que ça a pas lagué. Si ça lague.
ça lag vachement alors que j'ai pas lancé le jeu, rien du tout. C'est un truc de dingue que ça lag comme ça maintenant tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est dingue, dingue, dingue. Voilà. Donc oui, je sais pas si vous avez vu, mais je vais de nouveau changer la prog. Finalement, on aura bien notre dimanche loisirs créatifs. Voilà. Parce que finalement, mon week-end ne va pas s'organiser comme ce qui était prévu. Déjà que j'ai dû faire des changements. Là, du coup, j'ai de nouveau des changements qui se sont opérés dans mon emploi du temps. Donc, dimanche, finalement, on pourra être en live. Bonsoir Martin, comment ça va? Bah écoute-moi, ça va, on fait une semaine un peu chill. Et c'est très bien, parce que entre dimanche, la nuit de dimanche où j'ai pas dormi, mardi où j'ai dormi toute la journée, cette nuit où ces filles a fait des conneries, donc du coup, j'ai pas dormi non plus beaucoup. J'ai dû tondre mon chat pendant la nuit. Voilà. Ça va, ça va. On fait des lives chill. Faut vraiment que je sois en forme par contre vendredi pour ranger parce que faut vraiment que ma maison, je commence à la ranger à fond. Mais ça va, ça va, ça va. Par contre, je suis à moitié déshydratée. Oh, mon lapin qui se passe, qui casse la gueule. Voilà. Je suis à moitié déshydratée avec tout ça. J'ai pas beaucoup bu aujourd'hui. Par contre, je suis trop contente. Là, je suis... Demain, je vais pouvoir aller au Burger King. Bon, j'avais dit qu'effectivement, fallait pas que je fasse des trucs qui me culpabilisent et tout ça. Mais en même temps, bon, je stagne en ce moment avec ma perte de poids, je stagne un peu. Mais j'ai des points à dépenser au Burger King. Et j'hésite parce qu'ils font des burgers à la raclette. Vous savez que j'avais tellement envie de burgers à la raclette en ce moment. J'hésite entre ça. Il y a le Louisiana Veggie que j'aime d'amour, c'est mon préféré. Et il y a celui. Et ils en ont ressorti un que j'avais jamais vu. Et ils disent que c'est l'un des préférés, mais je ne l'ai jamais vu. C'est un burger en fait avec du cheddar et une galette, enfin un donut de cheddar dedans. J'ai dit, faut que j'essaye ça. Mais j'hésite parce qu'il y a la raclette aussi. Et du coup, j'ai des points à utiliser. Donc c'est pour ça aussi qu'il faut que j'y aille. C'est parce que du coup, je vais les utiliser pour avoir des cheese nuggets gratuitement et un dessert gratuitement. Parce qu'il faut vraiment que je les utilise. Donc ça va être mon repas gras de la semaine en fait. Moi, la nuit de lundi à mardi, je me suis tapé 42 fièvres à 1h du matin. Oh merde! Un plaisir en sachant que je devais taffer le lendemain et me lever à 6h. Et alors? Tu t'as réussi à aller taffer? Merde! J'aurais préféré une ambiance un peu plus sorcellerie, mais j'avais rien pour décorer le bureau. Un ibuprofène et je suis allée taffer, pas le choix. Pas le choix, je sais pas comment c'est fait en Belgique, mais moi perso, je serais allée chez mon médecin en urgence. J'aurais dit à mon médecin, vous n'avez pas le choix, vous me recevez. Mais en même temps, pour un peu de fièvre, non, 42 fièvres, c'est pas un peu de fièvre, Sarah. Avec de la fièvre, après j'aurais peur d'être avec une journée de carence et après pouvoir retourner bosser quoi. Quand t'es apprenti, t'as pas le droit à beaucoup de congés maladie. Ah ouais, effectivement. Effectivement. Et ça a été quand même. Ouais, la musique, elle fait un peu ce qu'elle veut. La musique en ce moment, elle...
Elle se met trop fort, pas assez fort. Je sais pas ce que c'est que cette playlist de. Je sais pas qui c'est qui a fait cette playlist, mais c'est pourri. Mais je disais, ouais, ça a été quand même au taf ou pas? Parce que tu fais quand même des. Enfin. Je sais pas pour ce que. Pour les tâches qu'ils te donnent à faire, mais. Je sais que normalement, c'est... Enfin, c'est quand même assez physique, quoi. J'étais complètement crevée, j'ai continué à prendre un ibuprofène matin, midi et soir. Ouais, bah, pas le choix, hein. Pas le choix. Tu vois, par exemple, là, la musique, elle est pas assez forte. Par contre, je commence à en avoir marre d'OBS qui a l'encodeur en surcharge à chaque fois que je lance. C'est un peu chiant. Bon, on va pas trop traîner parce que c'est un jeu de gestion. Donc en fait, je sais que je vais passer des heures et des heures et des heures et des heures dessus. C'est assez chronophage. Donc on va pas trop traîner. Juste une chose, les pinous, si jamais un jour... Parce que je vous prépare toujours un live où je m'entraîne au violon avec vous. Hein. C'est toujours ancré dans mes pensées, hein, ce genre de live. Le jour où j'arriverai à faire fonctionner le micro correctement pour capter le violon sans que ça vous gueule dans les oreilles quand je vous parle. Si jamais vous trouvez des... Enfin, pour les personnes qui sont musiciennes ou pas... si jamais vous avez des morceaux que vous aimez bien, pas trop durs hein, par contre, parce que quand je fais des morceaux comme ça, il y en a beaucoup des morceaux que je vous présenterai, enfin que je vous présenterai, que je travaillerai, parce que je suis débutante, hein, donc faut, voilà, je tâtonne. Mais si jamais il y a des morceaux que vous voulez que j'essaye de travailler un petit peu, n'hésitez pas à me le faire savoir, parce que je veux les travailler un petit peu avant de les travailler en live, quoi. Mais voilà, faut savoir que, par contre, attention, hein, vraiment, je suis vraiment, je suis pas une bonne musicienne, hein. Je décrypte, là, je joue beaucoup de Disney en ce moment, parce que je suis en train de préparer une surprise, mais je joue aussi, là, en ce moment, je joue beaucoup du Little Nightmare. Après, faut que ça soit des musiques où j'arrive à trouver le moyen de vous faire reconnaître la musique et de vous faire apprécier la musique sans que ça soit un ensemble, parce qu'en fait, j'aurai pas de musiciens à côté qui feront d'autres parties. Donc, des musiques qui peuvent se jouer en solo, hein, évidemment. J'espère que l'encodeur, ça va aller. J'espère. On va pouvoir lancer. Petite nouveauté, à partir d'aujourd'hui, je pense. Parce que je ne l'ai pas fait avec le dernier live, mais maintenant on va découper les VOD sur YouTube, pas sur Twitch, mais sur YouTube. On les découpera à chaque fois que je fais une pause. Donc si je fais un live où je fais pas de pause, eh ben on découpera pas, voilà. Je sais pas aujourd'hui si je ferai beaucoup de pauses puisque j'ai bu, 50 centilitres peut-être. Donc bon. En fait, je couperai à chaque pause parce que les vidéos sont longues, sont très longues. Les vidéos sont très longues et mais par contre, je couperai que aux pauses parce que sinon, il faut que je regarde la VOD, que je coupe à un endroit stratégique. Donc, ce qui veut dire me voir, m'entendre. J'ai un peu de mal encore. Donc voilà, à chaque fois que je verrai un moment où il y a une pause, du coup je ne me bagarrerai plus pour mettre de la musique, je couperai. Donc l'un dans l'autre, ce qui va se passer, c'est que je vais mettre de la musique en intro et en outro. Et comme ça, j'aurai pas besoin de me bagarrer, en fait, pour mettre de la musique à plein d'endroits. Je couperai tout simplement la vidéo. Donc ce qui sera moins chiant, je pense... Ce qui sera le plus chiant, c'est de mettre en ligne et en sachant que je vais les mettre pas le même jour. Histoire que vous ayez un petit peu chaque jour. Là, étant donné qu'on va faire ce live-là, je pense que vous aurez une partie jeudi, une partie vendredi, en fonction d'eux. Et des fois, peut-être que je les...
Je les ferai se chevaucher, peut-être. Je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. Ce qui permettra effectivement, même les jours de live, vous aurez une vidéo en VOD. Normalement. Si je fais assez de pauses. Bon, on va lancer, parce qu'il est déjà 20h40. Et que j'ai envie de lancer. Et que ça va me prendre 3 heures à faire le jeu, donc... Je sais pas si vous connaissez ce jeu, les pinous. Moi, je l'aime beaucoup. Moi, perso, je l'aime beaucoup. Ça fait longtemps que j'y ai pas joué, par contre, donc soyez indulgents. Ça va, ces filles? Si le jeu veut bien se lancer. Alors, moi, chez moi, ça lance. Vous avez toujours pas l'image. Oh, ça lag. Hein. Va vraiment falloir que je trouve un moyen de régler le problème d'OBS. Parce que c'était un peu réglé. Hein. Ça s'était un peu calmé. Et puis, bah là, c'est reparti de plus belle. Alors, je sais pas si c'est une histoire de mise à jour ou... Telles les saisons, la guerre revient toujours. Oh là! Tous les 274 ans et demi, le mal se relève pour détruire tout ce qui vit. Orques et humains mettent alors leurs différends de côté pour protéger leur monde. Chaque fois, le mal fut défait. Chaque fois, la vie put reprendre son cours normal. Mais une erreur de calendrier a tout changé. Oh merde! Le mal surgit 2 années trop tôt, prenant les vivants au dépourvu. Nous n'étions pas prêts. C'était un peu fort, là. Les écoles de magie furent les premières à tomber, plongeant le monde dans le chaos. Vos études finies de manière prématurée, vous êtes l'un des derniers gardiens d'un savoir incommensurable. Il vous revient de le préserver, mais surtout de le transmettre. Bon, alors. Bon, ça a un peu lagué. Oh, il y a eu des mises à jour. Mes cours de guitare, le pire, c'était les inventions de Bach hyper compliquées. Moi, je joue beaucoup de Bach en ce moment aussi. Bon, normalement, le son, ça devrait être bon. Alors, donc, si vous avez bien compris, on a le mal qui a fait chier le monde, en fait. Le mal s'est réveillé. Et donc, il va falloir qu'on forme des apprentis sorciers et sorcières pour pouvoir repousser le mal, en fait. Donc, on a le choix. Continue, Ravencrow. Qu'est-ce que ça? On a le choix, nouvelle campagne, partie libre. Nous, on va faire principalement une campagne, en fait. Je sais pas si... Pardon, mon cerveau va un peu lentement ce soir. Non, mais t'inquiète. Regarde le mien aussi, parce que ça fait un moment que t'as posté le message et que j'ai pas réagi. Hop. Donc, on est... Oh là là, ça lag. Pourtant, c'est pas un jeu hyper lourd. Donc, on incarne en fait le directeur, enfin la directrice, du coup, d'une école de magie. C'est quoi, carte bonus? Défi du chaos? D'accord, ok. Le mieux, c'est de lancer une partie. Vous découvrirez au fur et à mesure. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Mais en gros, on va devoir construire une école de magie avec un deck de cartes. D'accord, très bien. Avec un deck de cartes qui correspondra à des salles et des équipements, en fait, pour la... D'accord, ok. Qui correspondront donc à certaines choses, à certains équipements et salles de notre école de magie.
qu'on va accueillir des étudiants qui auront des caractéristiques un peu particulières. Il faudra faire attention à ça. Et voilà. Et donc, c'est une campagne. Alors, la campagne, il y a plusieurs endroits. En fait, sur la carte, il y a plusieurs endroits. Et chaque endroit, on le fait, en fait, tout le long de la campagne. Donc, c'est pour ça que peut-être qu'on n'aura pas le temps de tout faire aujourd'hui. On aura peut-être assez pour faire à la fin de la campagne la semaine prochaine. Mais voilà, donc nouvelle campagne. Niveau de difficulté, sorcier, novice, acolyte. On va pas prendre novice. Parce que autant il y a des jeux où je les mets en mode facile. Là, non, en fait. Acolyte, dégradation des besoins ralentis. Non, bah, mode sorcier. Durée de la partie normale, courte. Bah, normal. Je pense que c'est déjà suffisamment assez long comme ça. Défi, mode standard. Défi du chaos. Je suis en train de lire à côté. On va faire un mode standard pour commencer. Rien ne nous empêchera. Là, c'est le genre de jeu. J'adore les jeux de gestion comme ça. On fera aussi... un jeu que JDG il avait présenté aussi. Project Hospital. On en fera... On fera un petit peu de ce jeu-là aussi. C'est le genre de jeu où on peut y jouer un petit peu. Spellcaster, par exemple, on peut faire une campagne là sur 2 semaines. Et une fois qu'on l'a fini, ça n'empêche pas que on clôture pas le jeu. Si dans 2 ans, j'ai envie de me faire une petite partie, et comme je vous aurais déjà montré le mode standard, pourquoi pas tenter de faire les défis. Voilà. Mais du coup, voilà. C'est le genre de jeu où j'ai pas besoin de faire... juste une session et après c'est bon, on clôture le let's play. Si jamais j'ai envie de revenir, il y a tellement de sortes de défis qu'on peut très bien faire des lives dessus. Surtout que là, en fait, moi je vous fais découvrir un peu le jeu pour ceux qui le connaissent pas. Donc avec plusieurs types de jeux, c'est pas mal. Alors, nom de votre université, donc... Nom de votre université. Je veux pas l'appeler le terrier, mais je veux que ça soit un rapport. Vous devez nommer votre université pour continuer. Oui, bah merci, je suis au courant. Je sais pas, des idées? Avec un rapport avec le terrier et l'épinou? On peut même faire notre blason. Je crois qu'il y a un lapin. Je sais pas, je suis plus sûre. Ah bah c'est pas sûr. Ah, il y a un blaireau. Par contre, il y a un chat. Un oiseau, un dragon. Oh, un cochon d'Inde. Ah oui, il y a des cochons d'Inde. Il y a des chons. Ils ont mis des cochons d'Inde et ils ont pas mis de lapin. Oh, je suis revenue au début. J'en connais une qui a des restes de latin à côté de moi. Oh la honte. Lepus colae. Ok. Ça fait un peu lupus hein, quand même. On va prendre un chon. Hein. C'est ce qui se rapproche le plus du pinou quand même.
c'est Google, mon reste de latin. Bon, ça va, je suis rassurée alors. On va mettre les couleurs de la chaîne. On va faire un blason avec un chon. Ça aurait été bien de pouvoir le colorier. Parce que là, il est tout blanc, quoi. Ah, y a rien qui fait illusion d'un pin, moi. C'est quoi ça? C'est un... Ah, c'est un Pégase. Il y a le blaireau qui est cool aussi. Bon, on va mettre un chon, hein. Mais ça ressemble à rien comme ça. C'est mieux si on met quelque chose de plus graphique. On va pas passer 3 heures à... Cette gueule. On va pas mettre 3 heures à... Sinon on met un château, hein. Il n'y a même pas de carottes, il y a des pommes. Il n'y a pas de carottes. Sinon, on met la trace de pâte. Oh, on peut pas mettre d'espace. Ah, si, peut-être. Ah, si, c'est bon. C'est juste à la fin. Mais c'est pas une pâte de lapin, hein. Qu'est-ce que vous en pensez, les pinous? Ah, la licorne. Très bizarre. Sinon, on met un château. Le château... Ou la patoune. J'ai toujours pas remis ma plante là où il fallait, mais tant pis.
Ou alors le chon. Cookie qui ronfle. Sinon, on met l'image du diable. On met une silhouette de chat. On met une silhouette de chat pour rappeler la silhouette du diable qui habite dans le terrier. Non, bah, je vais mettre un château. Hein? Ça fera genre on était une grande école avant. Maintenant. Grave pour le chat. On met le chat? La silhouette du démon. Hop, ok. Alors, on peut commencer. Alors, on a que trois zones pour le départ. On a le lac. Chemin jusqu'à l'école. Avant, nous étions une grande école. Maintenant, c'est plus tellement la même. Chemin jusqu'à l'école plutôt long, opportunité spéciale avec la créature du lac. Ah oui, parce que dans chaque zone, il y a un truc spécial. Terrain constructible plutôt limité. Forêt, les nouveaux étudiants sont en général moins riches qu'ailleurs. Plus d'étudiants sont des loups-garous. L'ancien troll risque de poser quelques problèmes. Vaste terrain constructible. Ou alors le visage. Les nouveaux étudiants sont en moyenne plus riches. Le célèbre ménestrel local pourrait nous causer des problèmes. Votre terrain... Vaste terrain constructible. Donc, a priori, il vaut mieux commencer... Je sais pas si on recommence début après. De toute façon, on va faire toutes les zones. Hein. Je crois qu'il y a le désert, à un moment donné, la montagne. Après, il y a la tortue. Commençons par le village, peut-être. Une zone safe. Allons-y. Alors, je vais tout de suite mettre sur pause, un peu comme à chaque fois que je lance une partie de Zoo Tycoon. Pensez à communiquer avec les factions via la carte locale. Vous avez tout à gagner à avoir leur soutien, tout à fait. Alors, est-ce que c'est en pause? C'est en pause. Alors, nous voici donc dans Spellcaster University. On va avoir plusieurs... Putain, je sais pas ce qu'il y a à mes pieds là, mais c'est chiant. On va avoir plusieurs choses à faire. Donc construire une école, avoir du prestige, récupérer des decks en fait de cartes pour pouvoir construire notre. Oh bah donc on en a des choses finalement. Nouveaux élèves, nouvelle maison. Okay. Parce que comme dans Poudlard, il y a des maisons. Et donc on va avoir plusieurs choses, petites choses à faire. Il y a des PNJ en fait qui vont nous parler, qui vont nous dire voilà, il faudrait faire ça. Donc ce qu'il faut essayer de faire, c'est au maximum résoudre les problèmes. Je suis en train de me rendre compte que j'ai pas allumé ma bougie. Ah, il est là. Et je trouvais pas mon allumeur. Ah, il y a des poules. Il y a des poules dans le village. Voilà. Alors, une citadelle au milieu des champs. Les terres agricoles près des grandes villes du royaume feront un bon terrain pour notre école. Bon, il y aura peut-être quelques soucis avec les paysans locaux. Les paysans ne font que se plaindre de toute façon. Un peu comme dans Kaamelott. Hein. Révolte ! Alors, ils ne font que de se plaindre car on ne sait pas s'y prendre avec eux. Donc, on pioche la carte cochonnier. Ah oui, alors, quand je vous dis qu'il y a des cochons d'Inde dans le jeu, c'est hyper important. Parce qu'ils nous permettent justement de discuter avec les paysans, les machins, les trucs. Et c'est hyper important.
Donc ça nous fait avoir la carte cochonnier, la bannière du village et plus 35 de réputation avec les paysans. C'est hyper important ça. Nous sommes ici pour enseigner la magie, pas pour s'occuper d'un voisinage grognon. On pioche une salle de l'ombre et une salle de l'alchimie. Et les paysans ne viendront pas se plaindre, ne viendront plus se plaindre quand ils verront les merveilles de la magie. On gagne observatoire et pierre runique. Alors pierre runique, je me souviens plus du tout ce que c'est. Je me souviens plus du tout du jeu. Hein. Enfin, je sais comment il fonctionne parce que c'est pas compliqué en soi, mais je me souviens plus des trucs. Par contre, moi, je serais bien tentée de piocher la carte cochonnier et bannière du village et plus 35 avec les paysans. Parce que la salle d'ombre et la salle d'alchimie, on finira par la voir de toute façon. Donc, je vais répondre, ils ne font que de se plaindre, ils se font que se plaindre, car on ne sait pas s'y prendre avec eux. Voilà, donc on se retrouve doucement, Loulou. C'est où qu'on met sur pause? Pause. Pause! Stop! Stop! Laissez-moi construire! Laissez-moi construire! Alors, du coup, on se retrouve sur notre terrain vague. On va pouvoir construire cochonnier pour des chonds. Pour mettre des chonds dedans. Alors, on va mettre le réfectoire. Ah, je peux pas jouer si c'est sur pause. Ah, je me souvenais pas de ça. Alors, on va poser donc le réfectoire. Ah, si. Le réfectoire. Voilà. On a le réfectoire, le foyer des élèves qu'on va mettre juste au-dessus. Ainsi que... Je suis entourée de démons. Cookie fait de trop drôles de bruits pendant son sommeil. Ça me fait peur. Cookie ? Boula ? Le diable incarné. Je vais finir par croire que je suis vraiment avec des animaux un peu habités. Parce que bah, même Gizmo, des fois, je l'appelle mon petit monstre ambulant. Un vrai Pokémon, quoi. Bref. On va mettre le dortoir juste... Ah, merde. Ah, alors, on va mettre le cochonnier avant, peut-être. Ah, ouais, non, ça m'arrange pas. Ah, merde, j'aurais dû regarder ça avant. Alors, la bannière du village, on va la mettre dans le réfectoire. Voilà. Personnel actif de cette salle accroisse votre réputation auprès des paysans. Trop bien. Bon, l'histoire du dortoir, ça ne m'arrange pas. J'aurais préféré... Bah, tant pis, on va le mettre là. On essaiera de construire un truc en dessous. Et le cochonnier, on va le mettre ici. Donc le cochonnier, 3 élèves peuvent utiliser le cochonnier pour communiquer avec le monde extérieur et ainsi accélérer les communications avec les factions. Les volatiles s'est dépassé, le cochon d'Inde avec son profil fuselé est le meilleur messager de notre temps. On a le foyer des élèves qui permet à 5 élèves de diminuer leur ennui. Voilà. Les élèves adorent glandouiller, cet endroit a été conçu spécialement pour ça. On a 5 lits pour les étudiants pour diminuer leur factif dans le dortoir. Un endroit rempli d'élèves qui ronflent. Personne n'aimerait dormir là. Je sais qu'on peut augmenter les lits plus tard. On verra. Je me souviens plus du tout de comment ça marche. Et on a le réfectoire qui permet à 10 élèves de réduire leur faim. Les élèves retrouveront avec plaisir sur la table du réfectoire les animaux qu'ils ont invoqués en cours de druidisme avec une sauce au poivre. Voilà, c'est un peu ça hein, le jeu, c'est vraiment... c'est un peu zarbe. Voilà, donc on va accueillir de nouveaux élèves.
On créera des maisons après. Revendre contre 10, bah non. Parce que les maisons, ça sera en fonction de ce qu'on aura à réaliser. Là, pour le moment, on va faire des élèves, on va dire, somme toute classiques. Les maisons, en fait, c'est un peu les spécialités. C'est genre, on va avoir besoin d'élèves qui auront plus le goût à telle ou telle magie. Et bah du coup, on va faire une maison exprès pour... parce qu'on aura besoin d'élèves qui feront telle magie. Donc là, on a Austin Valor, qui est petit dormeur et ambitieux au niveau de ses qualités. Petit dormeur, la fatigue diminue 30% plus vite lorsque le personnage se repose. C'est plutôt bien. Ambitieux a plus de chances d'obtenir les avenirs les plus bénéfiques à la fin de son cursus. Alors ça, c'est hyper important aussi. À la fin du cursus, on doit voir ce que deviennent nos élèves, ce qu'ils ont décidé de devenir, enfin ce qu'ils peuvent devenir grâce à leur... Excusez-moi. Voilà, j'ai plus rien au niveau de mes pieds. Donc oui, je disais qu'on regarde un petit peu ce qu'ils deviennent. Ringard perd plus rapidement sa santé mentale. Il me semble que c'est quand on fait des donjons. Il est loyal, bon, normal et aisé. Donc de toute manière, là aujourd'hui, on va... voilà, on va les mettre en classe générale. Tous, pour le moment. Mais on va tous les prendre parce qu'il faut qu'on ait une rentrée d'argent et il faut qu'on puisse avoir des cartes de base. Ensuite, on a Nick Gale. Il est orphelin. Quel est ton point le plus positif pour toi? Je suis orphelin. D'accord. Okay. Si cet étudiant venait à mourir, vous ne perdez pas de prestige. Et les gloutons, la faim diminue 30% moins vite lorsque le personnage mange. Et on a vu... Voyons qu'il commence avec une vie basse, le mec. Et on a vu que dans les... Donc il y a 3 années d'études à passer. On a vu dans le réfectoire qu'en augmentant certaines choses, certaines personnes pouvaient perdre le titre glouton, en fait. On a Jade Vivevent, donc qui est populaire. Double le gain ou la perte de prestige à la fin de ses études. Et elle est sournoise, fait bien plus de bêtises qu'un élève normal. Donc ça c'est pareil, il faudra qu'on y prenne garde parce que on va avoir besoin peut-être d'un concierge, quelque chose, vivre usard quoi, pour éviter qu'il y ait trop de bêtises dans le château. On a Sarah Panache, une Sarah Rouquine. Quel hasard. Ah oui, alors chose que vous m'avez connue, alors ça se voit pas trop parce que ma caméra est pourrie, que l'éclairage est pourri chez moi, etc. Mais pour ceux qui ne le savent pas, ça fait maintenant 4 ans que je me teins en rousse. Et j'ai pris la décision d'arrêter. Voilà, donc sachez que je vais retrouver ma couleur petit à petit. Je vais demander à ma coiffeuse quel est le meilleur moyen... À part me raser les cheveux et porter une perruque pendant le temps que... Mais en fait, en vrai, j'aimerais bien avoir les moyens de faire ça, de me raser les cheveux et de porter une perruque pendant un certain temps, parce que mes cheveux sont beaucoup trop abîmés aujourd'hui, et j'aimerais bien repartir sur une base de cheveux classique, mais c'est juste pas possible. Enfin, les perruques, elles coûtent 300 balles, c'est pas possible. Sarah Panaché, oui. Ah que coucou Luna, comment ça va? Donc du coup voilà, progressivement je vais retrouver ma couleur de cheveux classique parce que bah mine de rien les couleurs ça coûte un rein. Que voilà, le roux m'ira toujours très très bien, je pense que c'est la couleur de cheveux que j'aimerais avoir tout le temps. Mais là je suis un petit peu lassée en fait de devoir aller chez le coiffeur tous les 3-4 mois. Peut-être que quand j'aurai beaucoup de cheveux blancs, je ferai des tests de coloration à la maison. J'en sais rien, je sais pas. Je sais pas. Mais là, pour le moment...
pour le moment, j'ai envie de retrouver ma couleur naturelle, en fait. Je sais pas pourquoi, j'ai eu un déclic l'autre jour. Je sais pas. Je sais pas. Et bah, on se fout de la gueule de Sarah Panaché. Mais elle est loyale bon. Bon, elle est stupide. Mais elle est ambitieuse. Donc stupide mais ambitieuse. Hein. On le souligne. Elle est courageuse. Bon, par contre, elle est laide. Je me fais toujours les points de cheveux rouges. Bah moi en fait ça fait 4 ans que je suis teinte en rousse. Mais en fait là je peux plus là. Financièrement et puis peut-être que j'y reviendrai hein, parce que le rousse est vraiment une couleur qui me va bien. Mais là je sais pas, j'ai envie de repartir sur du naturel, d'arrêter de me prendre la tête. Bref, on verra. Et Siegfried, j'aime beaucoup ce prénom. Siegfried Stormcalm, qui est neutre bon, normal, qui est riche, ambitieux, prétentieux et lâche. Il a plus de négatifs que de positifs. Mais on a dit qu'on les prenait tous, parce que on a besoin d'étudiants, tout simplement. Et là, on a eu une petite rentrée d'argent, c'est pas énorme. Mais on va pouvoir commencer à monter nos trucs. On a une nouvelle maison, on s'en fout. Un réfectoire, on a déjà. Et une salle d'ombre. Donc on récupère une salle d'ombre. Je vais encore cliquer. Foyer des élèves, on en a un. Machine à café, il faut la salle des professeurs, non? Salle commune, salle où les élèves d'une unique maison peuvent se divertir. Pour le moment, on n'a pas de... On n'a pas de maison particulière. Je vais prendre la machine à café. Merci Luna. En plus, je suis à moitié déshydratée ce soir, donc c'est bien. Merci. Faut que j'ai bu tout le reste de la bouteille pendant le live. Voilà. Donc, on va prendre une machine à café. On espère, on croise les doigts pour avoir une salle des profs dans peu de temps. De toute façon, on peut le mettre en vitesse 1, puisque ça se met en pause à chaque fois. On a un psychologue et une salle de lumière. Psychologue, une salle dans laquelle un psychologue peut immuniser vos étudiants à la perte de santé mentale. Ah, en vrai, c'est bien. Et on a la salle de la lumière. Donc, ça nous permettrait d'étudier et l'ombre et la lumière. Pour commencer, je mettrais bien une salle de la lumière quand même. Compte sur moi. Mais oui, mais je compte sur vous. Attention, il ne s'agit pas là de l'équivalent d'un cours de catéchisme. Il précise quand même. Bien que le... Encore ? Allez, boire encore une fois, ça ne va pas te tuer. Mais n'utilisez pas tous vos points d'un coup. Ça me rappelle le soir sur Phoenix Wright. Arrêtez. En même temps, un psychologue... Ouais, on n'a pas besoin de psychologue pour le moment. La santé mentale, ça va. Ils arrivent à l'école, ils doivent être contents. Non, on va prendre la salle de lumière. Par contre, je vais mettre sur pause vite fait. Voilà. On va mettre la salle de lumière. Au rez-de-chaussée. J'espère qu'il y a des lampes. Enfin, des... Et puis des fenêtres. T'inquiète pas, j'ai des points de côté pour l'eau et étirement. On va mettre la salle de lumière. Alors, il nous faut un prof. Alors, c'est un peu comme dans certains jeux de... Je sais plus c'est quoi. C'est le truc dans l'hôpital. C'est pas Project Hospital, c'est... Bah si, pourtant, ça doit être ça. Non, c'est Two Point. Oh, je sais plus. Enfin bref, on a le choix entre la peste et le choléra, en fait, au niveau des profs, pour regarder... Qui fait quoi? Là, par exemple, Patricia Béron. Elle a une pédagogie mauvaise. L'autre aussi. Ils sont pas syndiqués tous les deux. Par contre, Patricia est vigilante. Les étudiants actifs dans la même pièce font beaucoup moins de bêtises pendant 2 minutes. C'est un chercheur. Lorsqu'il enseigne, ce professeur génère quelques points de mana de sa matière. Ça, c'est hyper important. Elle est empotée. Il y a des aberrations magiques, il y a plus de chances d'aberrations magiques, et démoraliser la santé mentale diminue lentement avec le temps.
pour ce qui est de Richard, Corpore Sano réduit l'augmentation des besoins de 20%. 2 heures de sport matin et soir, parfois il trouve le temps de s'occuper de ses cours, formidable. C'est un protégé du roi, lorsqu'il enseigne, ce professeur peut accroître la réputation avec le roi, c'est hyper important aussi. C'est l'ami du cousin, du beau-frère, du maître d'hôtel, de la tante du roi, quelqu'un d'influent donc. Ça peut être hyper intéressant aussi, mais en même temps on va demander aussi à avoir des points de mana, donc on peut très bien le prendre lui, je pense. Quand même, parce que les élèves, de toute façon, quand ils étudieront la lumière, vont générer des points de mana, quoi qu'il arrive. Et pour le moment, on n'a que 2 salles, donc ça devrait aller. Hier, j'ai live 8h, j'étais crevée. Oh la vache, t'as live sur quoi ? Poseur, l'ennui des autres dans la même salle augmente et Avid accroît son salaire de 100%. Et après, je m'étonne que les gens ont l'impression que j'ai des origines. Enfin, que je suis née pas en France. À force de faire des sons de ce genre. On va accroître notre réputation auprès du roi nous-mêmes. On va plutôt prendre celle-ci. Et on va mettre la salle de l'ombre. Oh, bah qu'est-ce que c'est qu'il y a là? Oh, c'est l'entrée. Merde. Oupsie. Bon, bah du coup je me suis gourée de sens, c'est pas grave. La salle de l'ombre, on va la mettre... Non, là. On va la mettre là. Joachim, petit challenge, finir The Last of Us. Ah, oh, j'adorerais y jouer. Je l'ai fini en 10 heures, la vache. Alors, Joachim Gale, il faudrait vraiment que je le fasse, mais j'ai peur d'être nulle. Bah déjà, j'ai tous les Resident Evil à faire. Mais The Last of Us, ça me tente bien. Joachim Gale, les deux ont une pédagogie correcte, c'est plutôt cool. Ils sont pas syndiqués tous les deux, lui il est neutre mauvais, elle est neutre bon. Ok. En fait, c'est le rapport avec l'élève. Lui, il a la sagesse des anciens. Les étudiants dans les cours apprennent 10% plus vite. C'est plutôt cool. Comique, sa présence réduit l'ennui des autres étudiants. Non, mais... Un prof des forces de l'ombre. Comique. Ça, c'est beau. Ça, c'est ultra beau. C'est un vieillard, donc il est plus lent et il est amorphe. Donc, il se déplace 20% moins vite. Elle est vigilante, donc il y a moins de bêtises. Elle est inébranlable, donc les pertes de santé sont diminuées. Par contre, elle est empotée, donc il y a des risques d'altération et gros dormeur. Non, mais on va prendre la sagesse des anciens. Ça me paraît pas mal. Il est très compliqué, la vache, tu dois faire gaffe à tes kits de soins, tes munitions. Tu l'avais joué en mode facile ou en mode normal? Parce que moi, je joue tous ces jeux-là, je les joue en mode facile, en fait. Parce que j'ai pas envie de me prendre la tête. Autant là, je suis en mode normal pour Spellcaster, mais les jeux de ce genre, je les mets en mode facile. Difficile, ah bah voilà. Moi, je les mets en mode facile, donc ça devrait être plus simple. Évidemment. Est-ce que je peux encore en tirer une? Non, j'ai plus de sous. Bon, bah on va faire en sorte que... Alors, ils arrivent, les étudiants, ou pas? Ils sont longs? Ah, les voilà. Donc là, on a les étudiants qui arrivent. Et on va attendre d'avoir un petit peu de sous, que ce soit des sous réels, donc pour les decks de base, ou pour piocher dans les decks de lumière. Donc là, on a des petits chons. On a des petits chons qui grimpent au niveau de la catapulte. Voilà, c'est les petits chons, c'est les messagers. Il n'y a pas de hibou dans cette école, c'est des cochons d'Inde. Allez les loulous! Au travail! Ah, alors... On a nos premiers messages qui arrivent. Salutations royales. Ah, une nouvelle école pour mon royaume. C'est une très bonne chose. Oh oui, une très bonne chose. Et je suis d'ailleurs prêt à vous aider, car je suis un roi bon et juste. Que désirez-vous? Être en bon terme avec vous, monsieur, c'est possible. Notre école aurait bien besoin de fonds supplémentaires, donc ça nous permet d'avoir 200 d'or et d'avoir des decks en plus. Ou l'aide des architectes royaux pourrait être utile pour construire une salle avancée.
on peut recevoir une carte choisie parmi 3, en sachant que si on a des fonds supplémentaires, on pourra également choisir une carte parmi 3. Donc, allez, les fonds. Ensuite, on a des candidatures d'étudiants. Donc, de toute façon, on va tous les prendre pour le moment, parce qu'on a besoin de thunes. On a Farhat Horti, chaotique neutre, normal et médium au niveau de l'argent, qui est ambitieuse, grosse dormeuse, c'est une fille, c'est pas une fille, on sait pas, et qui est gothique, apprend la magie de lumière 50% moins vite. Alors, on commence déjà à avoir des gens qui se profilent. Elle, par exemple, on fera mieux de la mettre dans une maison de type autre que le type lumière. On a Lolita Falagar, qui est touche-à-tout, apprend le niveau 1 des magies 100% plus vite, qui est passionnée, apprend 25% plus vite le 4e et dernier niveau de magie. Ouh, punaise, c'est une Hermione. Claustrophobe, apprend la magie de l'ombre 50% moins vite, et qui est procrastinateur, agit et s'y puise 25% moins vite. On a Owen, qui est sage, donc il fait moins de bêtises, qui est ambitieux, laid, et hyperactif, fait beaucoup de bêtises. Hein ? Alors, qui est sage, réalise 2 fois moins de bêtises, mais qui est hyperactif, fait beaucoup de bêtises, mais se déplace un peu plus vite. Logique. Ah, mais ça suffit ! Après, je vais être obligée de faire une pause et de couper la VOD, alors qu'on est à 1 heure de live. Merci. Je vais boire en petite gorgée, hein, parce que du coup, sinon on n'a pas fini et je vais avoir fini la bouteille. C'est ma dernière bouteille d'eau, faut que j'aille faire des courses. Donc, j'ai plus d'eau après. Isidore est un élu de la lumière, donc super. Lui, par contre, on pourra le mettre dans une maison où ils seront plus adeptes de la lumière. C'est toi qui l'as dit qu'il fallait finir ta bouteille. Mais oui, mais on a le temps. On a le temps, le live... Mais arrêtez! Le live, il est pas fini encore! Fallait pas nous défier. Mais je vous ai pas défié! De toute façon, elle sera finie avant la fin du live. J'ai pas besoin de vous! J'ai pas besoin de vous pour boire, en fait! C'est comme, à chaque fois, je rigole. Mon doigt a glissé. Oui, bien sûr, Luna, je vous crois. Je vous crois. C'est un peu comme, à chaque fois que je tombe sur une pub, je sais pas si ça vous l'a déjà fait. Quand je vais sur Insta, des fois, j'ai des pubs pour Waterdrop ou des trucs comme ça. Et en fait, à chaque fois, ils disent... Vous avez du mal à boire de l'eau? Et je dis, mais non, en fait, moi, j'ai absolument pas de mal à boire de l'eau. En fait, je suis à 1,5 litre minimum par jour. Sauf quand vraiment, il y a un truc qui... Enfin, il y a un truc qui a cloché. Mais je suis à 1,5 litre minimum par jour. Et je peux aller jusqu'à 3 litres d'eau. J'ai absolument pas de problème pour boire. Et non pas que j'ai des problèmes de santé, parce qu'en fait, tout va bien. Mais en fait... J'ai pas de problème de santé, c'est juste que bah, c'est mon kiff en fait de boire de l'eau. Je suis un peu comme Cookie, mes parents ils l'ont gardé pendant 15 jours et ils m'ont dit « Par contre tu feras gaffe parce que ton chat il boit beaucoup et c'est bizarre, enfin faut faire gaffe parce que ça veut dire peut-être que ses reins ne fonctionnent moins bien. » Et en fait non, il va très très bien, c'est juste qu'il a... Il aime boire, en fait. C'est un chat qui adore être toujours le nez dans la gamelle d'eau, quoi. Non, moi, c'est pour la good air up, parce que l'eau, ça n'a pas de goût. Bah, ça dépend de l'eau, mais effectivement, l'eau, normalement, ça n'a pas non plus énormément de goût. Mais moi, ça me dérange pas, en fait. Moi, je bois, il n'y a aucun problème, quoi. Alors, donc, c'est un élu de la lumière, allergique aux crustacés. Ah, dommage. Apprend l'alchimie moins vite. Ah, d'accord. C'est quoi le rapport? Et amorphe. Donc en fait, on pourrait faire là pour le moment des maisons lumière et ombre. Je sais pas combien d'étudiants ça va nous faire là. Peut-être une bonne dizaine. Pause. On a combien d'élèves? On peut éventuellement faire une maison. Pour le moment, on n'est que sur la magie des ombres et la magie de lumière. Donc on peut peut-être faire des maisons. Ah oui, c'est vrai. Alors, nom de la maison. Disciple de l'ombre. Ah oui, parce qu'on peut pas faire tout le temps.
Alors, cochez la première spécificité de votre maison. Disciple de l'ombre, enfant de la nature, comique. Donc, on va prendre disciple de l'ombre. Initié à l'alchimie, courageux et sportif. Donc, en fait, ça permettra aux personnes qui n'ont pas disciple de l'ombre dans leurs caractéristiques de l'avoir. Parce qu'on va pas mettre que des personnes disciples de l'ombre. Par contre, du coup, courageux, inflige des dégâts accrus de 35% en combat. En donjon, ses sorts infligent un dégât de plus. Se déplace 20% plus vite. On va les mettre courageux. Ah, oh, quoique. Je sais pas si on va faire des donjons tout de suite. Pardon, je m'étire. Et donc, on va mettre prioritaire à la magie des ombres. Je mets pas de nom. Je mets des noms. On va pas arrêter de mettre des noms. Hein. Qu'est-ce qu'on met? La maison de la Le nom de la maison. Des ombres. On va pas arrêter de faire ça. Ça va être ça tout le long du live. Je fais une pause. Parce que voilà, ça y est, vous avez gagné. Je fais une pause. Dark Rabbit. Et vous me trouvez un nom pour une maison de l'ombre. Enfin, spécialisée dans l'ombre. Et un où on mettra en priorité la lumière. J'arrive. À tout de suite. Vous avez gagné. Je fais une pause.